2-3 minutes. Et on va pouvoir partir. C'est la finale de la catégorie poids-coq chez féminine. On vous rappelle, hein. Finale. Catégorie poids-coq, moins de 57 kilos entre ces deux filles. On les encourage. Avec Félicie Pompelli. Arbitre sur le ring aujourd'hui. Et de nouveau, bien sûr, pour ce combat. Du tigre, hein, cette Andrea Seba Medina. Oh, Andrea arrière en ligne. There you go, Andrea. Andrea se bosse, hein. Il veut marquer ce tournoi de son empreinte. Hein, quelle détermination. Très efficace américaine, hein, qui va chercher en bas avec le direct du bras arrière. Puis ensuite, avec son bras avant, il revient. Très bien passé. Comment va réagir la Suédoise, mais elle a l'air vite débordée, la Suédoise. C'est vrai que, vu ce qu'elle a proposé en demi-finale, vu ce que les deux filles ont proposé en demi-finale, on avait du mal à imaginer qu'elle puisse survivre à cette finale. Après, c'est un autre combat, c'est un autre jour. Donc, on va rester attentif. On ne peut pas l'enterrer tout de suite, bien sûr. Non, c'est sûr, hier, elle n'a pas fait non plus un combat extraordinaire, mais pas. Enfin, un combat, on va dire. De niveau quand même, mais bien sûr. Mais là c'est vrai qu'elle est vite débordée par la vitesse de l'américaine. On va voir comment elle va réussir à s'en sortir là, voilà, peut-être déjà avec ce bras avant l'empêcher l'américaine de rentrer dans sa distance, son espace, et éviter justement les accrochages qu'elle est en train de faire avec l'américaine actuellement. Elle avait beaucoup accroché hier déjà à Mina Zidani dans sa demi-finale. Continue bien sûr à lire et bien vos messages. Ça se passe bien évidemment dans le chat du player Facebook, le Facebook Live que l'on suit aussi sur la page de la Fédération Française de Boxe. Good work, work. Let her hold you. On vous rappelle que eh bien, vous pouvez lire eh bien, votre boxeur, votre boxeuse de la semaine et de ses finales. L'homme, la femme qui vous a le plus impressionné, enthousiasmé. Et plus tout au long de cette semaine, allez, moins d'une minute là dans cette première reprise. On demande des enchaînements, on prend rouge, bien sûr, dans le coin américain. On demande à Andrea se pose d'enchaîner, de placer en tout cas quelques enchaînements, d'aller prendre un précieux point. Marquer son empreinte encore un petit peu plus, en tout cas cette première reprise. Et les femmes en amateur, bien sûr, qui boxent encore avec des casques. On en a beaucoup parlé ce matin avec Felice Pompili, justement l'arbitre actuellement sur le ring. Je disais qu'à l'époque, il boxait. Eh bien, avec le casque, c'était quelque chose qui dérangeait énormément.